Le Tout-Puissant, le Dieu merveilleux, celui qui appelle à l'existence les choses qui n'existent pas, comme si elles étaient. Amen. Nous sommes très heureux de nous présenter encore devant vous. Et comme fils de Dieu, je suis très content parce que personnellement je serai guéri. Je serai béni. Je serai élevé. Je serai élevé pendant tous ces moments. Il nous avait promis, quand nous allons le servir, il va nous bénir. Et je te rassure que le fait de quitter ta maison et venir en ces lieux, tu es venu servir Jésus-Christ. Là, tu l'as adoré, tu as chanté pour sa gloire. C'est tout ton service. N'est-ce pas? Nous venons de l'adorer. Nous venons de l'acclamer. C'est tout un service. Écoutez, il est écrit. Yoka, là, c'est lui-même Dieu qui déclare. Il dit, maudit soit celui qui va faire travailler son prochain sans pour autant le payer. Or, le prochain de Dieu ce matin, c'est toi. Je suis rassurant qu'il va te payer. Si tu crois que tu seras payé, acclame encore pour la gloire de Jésus. Nous allons passer directement à la lecture. Si vous pouvez vous lever, nous prenons Jean chapitre 19. On peut commencer au 28e verset. Après cela, Jésus, qui savait que tout était déjà consommé, dit afin que l'Écriture fût accomplie. J'ai soif. Il y avait là un vase plein de vinaigre. Vas moko za laki na ba vinaigre belé mayangai kenya bololo. Les soldats à remplir une éponge ba mbolombolo bazui li baya moko et l'ayant fixé à une branche d'hysope ba ba kangisi yango na motu ya libaya na balobi. Ils l'approchèrent de sa bouche ba pousana ki yango pene ya monoko na ye. Quand Jésus y prit le vinaigre, il dit, tangu Yesu azui mayanga iwana alobi, tout est accompli. Nyonso ekokisami. Nous prenons Ésaïe chapitre 53. Il faut bien suivre la lecture. Esengeli kolanda malamo litani. Cela te permettra à bien écouter Dieu. Wane kopesa yonzela oyo kanzambe malamo. Ésaïe 53. Ukanana esawa tukumitano na mumisato. Le verset 3, nous descendons. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage, nous l'avons dédaigné. Nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont des non-souffrances qu'il a portées. C'est des non-douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui.
c'est par ces mestrucires que nous sommes guéris. Que le Seigneur Dieu bénisse la lecture et ton entendement. Vous pouvez vous asseoir, chers honorables. Aujourd'hui, c'est le premier jour de notre marche. Notre action matinale qui a comme le thème « Tout est accompli ». Qu'est-ce qui a été accompli ces jours-là sur la croix? Parce que Jésus lui-même a dit, il est venu non pour abolir la loi mais pour l'accomplir. Lui-même Jésus, il a expliqué qu'il fallait que le Christ vienne et souffre pour que beaucoup de gens soient justifiés par l'œuvre de son âme. Il a été arrêté, chicoté. On l'a fait monter sur la croix. Il a attendu un bon moment. Il va manifester maintenant la soif. Écoutez, la Bible dit, sachant que tout a été déjà consommé, il avait déjà tout consommé. C'est ainsi qu'il va demander maintenant le vinaigre, le vin amer. Quand il est pris, il dit, tout est accompli. C'est comme si le vinaigre est venu accomplir le travail qu'il avait commencé de faire. Le vinaigre est venu parfaire l'œuvre de la croix. La Bible dit qu'il avait d'abord tout consommé. Il avait tout consommé. Quand il a tout consommé, c'est alors qu'il demanda l'eau. On lui donna le vinaigre, le vin amer. Quand il est pris, il lui dit, tout est accompli. Tout est accompli. Cela veut dire, le vinaigre est venu parfaire le travail qu'il était venu faire sur la terre. Dès qu'il prit le vinaigre, le vin amer, il rendit l'âme. Il rendit l'âme. Matthieu a donné même des détails. Il dit, il a dit, Père, mon Père, reçois mon esprit. Parce que le travail a été déjà fait. Quel travail? C'est l'œuvre de la rédemption. Pourquoi? Parce que Adam le premier avait péché. Oh, la Bible nous dit, un seul avait péché, mais le péché a été compté sur tout habitant de la terre. C'est par le péché d'un seul homme que la mort est entrée, et cette mort s'était répandue sur tous les hommes. Il aurait fallu maintenant un travail pour donner la vie à l'humanité. Voilà, il est écrit dans Jean chapitre 3, le verset 16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils, son fils unique, afin quiconque croit à lui ne périsse jamais, qu'il y ait la vie éternelle. Donc la vie que l'humanité avait perdue au travers Adam le premier est restituée par le fils appelé Jésus-Christ. C'est à travers Jésus-Christ que l'humanité reçoit la vie perdue.
par les péchés, par la désobéissance d'Adam le premier, la mort entre dans l'humanité, la maladie entre, les infirmités, les problèmes, les difficultés. Parce que nous sommes tous d'accord que dans les programmes de Dieu, son souci était que Adam vive le paradis éternellement. C'était ça le programme de Dieu pour l'humanité. Maintenant, Adam a commencé à vivre le paradis. Mais à un certain moment, il a été désobéissant. La désobéissance a fait que Adam quitte le jardin d'Éden. Parce que le jardin d'Éden était tout un paradis. C'est par le péché d'Adam qu'il quitte avec sa femme le jardin. Là où il y avait la vie, là où il y avait la paix, là où il y avait la prospérité. Vous comprenez? Parce que là où il y avait la paix, c'est dans le jardin qu'il y avait même la vie. Parce que la Bible nous dit, au milieu du jardin, il y avait des arbres. L'arbre de la connaissance du bien et du mal et l'arbre de vie. Adam qui est chassé du jardin, il est chassé loin de la vie. En d'autres termes, il était mort. Parce que Dieu lui dit, les jours où tu en mangeras, tu mourras. Il mange physiquement comme ça. On n'a pas vu Adam mourir le même jour. Mais nous savons que ce jour-là était prophétique. Parce qu'il est écrit devant Dieu, 1000 ans est comme un jour. Voilà la durée de la vie d'Adam était 930 ans. C'est-à-dire dans la pensée prophétique de Dieu, dans les jours prophétiques, Adam n'avait pas fini les jours. Il était mort le même jour. La mort d'Adam veut dire s'éloigner de l'arbre de vie. Mais c'est par le sang de Jésus que nous qui étions éloignés de l'arbre de vie, nous avons maintenant accès d'entrer dans le jardin. Parce que quand Adam pécha, Dieu mit des anges à l'orient du jardin, là où il y avait la porte du jardin, pour empêcher Adam d'y rentrer. Les deux anges avaient l'épée qui tournait pour que l'homme n'ait pas accès d'y rentrer, de rentrer dans le paradis. Maintenant, il y a quelqu'un qui s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Il avait accepté de donner sa vie comme rançon. Parce que l'épée avait besoin du sang pour calmer la colère de Dieu. Parce que le péché d'Adam avait suscité la colère de Dieu. Maintenant, pour que la colère de Dieu soit baissée, parce que la chose qui fait baisser la colère de Dieu, ce n'est que le sang. Oh, je vais prendre l'histoire de Moïse. Dieu l'avait choisi pour aller délivrer Israël. Il prit sa femme pendant le chemin. Adam n'avait rien fait. Dieu s'est fâché. Il a voulu tuer Moïse. Maintenant, Moïse mourant, sa femme eut la révélation. La femme a compris que la chose qui peut stopper la colère de Dieu, c'est la présence du sang. Il prit l'enfant, il prit le fils de Moïse, il coupa la prépuce,
Dès que Dieu vit le sang, la Bible dit la colère de Dieu se calma. Ici, Moïse, c'est aussi Adam, c'est aussi l'humanité, c'est toi et moi qui étions indignes devant Dieu à cause du péché. Parce que en lisant les Écritures, tu n'as pas vu là où Adam, là où Moïse avait péché. Pour que Dieu le frappe. Pour que Dieu le tue. Mais le péché était dedans. C'était le péché adamique. Parce que Moïse était sorti d'Adam. Donc le péché d'Adam était à Moïse. Et je vais encore ajouter pourquoi la colère de Dieu s'enflamma contre Moïse. C'est parce que le fils avait Moïse là, le fils né là de Moïse, il était encore incirconcis. Il était encore donc Moïse marchait avec un incirconcis. Oh, d'après l'alliance de Dieu avec Abraham, pour que la colère de Dieu ne se manifeste pas dans la postérité d'Abraham, il avait demandé à Abraham et sa postérité d'être lié à l'alliance de la circoncision. C'est ce qui calmait la colère de Dieu sur la sur Abraham et sa postérité. Or, Moïse marchait avec un enfant mais incirconcis. C'est ce qui a attiré la colère de Dieu. Voilà, Dieu voulait frapper Moïse. Parce que Moïse était hébreu, il connaissait la loi. Il connaissait la norme de l'alliance. Il a laissé l'enfant incirconcis. Ici, je prends Moïse comme ton esprit. Je prends le fils de Moïse comme ta chair. S'il n'y a pas la circoncision dans ton corps, s'il n'y a pas la repentance, tu vas attirer la colère de Dieu sur toi. Là, je prends Moïse comme ton esprit, le fils de Moïse comme ton corps. Ce qui attire la colère de Dieu dans ta vie, c'est la présence du péché. L'incirconcision symbolise le péché. Toi qui es encore dans les mensonges, toi qui es encore dans les péchés, dans l'impudicité, tu es dans le vol, dans la haine, sache-le bien, tu es Moïse qui marche avec un corps, avec un fils incirconcis. Maintenant, ce matin, ce fera, c'est aussi le ministère de la parole. Pour que tu ne meurs pas, je dois circoncire le fils avec la pierre. La pierre aiguë qui est la saine doctrine, qui est la prédication de la croix. Tu dois être circoncis pour que tu ne meurs pas. Mais nous savons que dans la révélation, Adam c'est l'humanité. Comme Adam c'est l'humanité, alors nous pouvons dire, car Séphora a tant aimé Moïse qu'il a circoncis le fils, parce que la circoncision du fils de Moïse parlait déjà de la mort de Jésus sur la croix. Moïse comme l'humanité, son fils devait mourir, son fils devait être coupé pour que Moïse ait la vie. Donc le fils de Moïse c'est Jésus. Toi et moi, nous étions tous tombés en Adam le premier. Nous étions indignes devant Dieu, destinés à être frappés par les châtiments. Il y avait un châtiment réservé pour nous. C'était la mort et la mort éternelle. Parce que nous le savons tous bien, Adam était mort deux fois. En esprit et dans la chair. Parce que le salaire du péché, c'est la mort. Est-ce que vous comprenez? Le salaire du péché, c'est la mort. Nous tous, nous étions déjà des morts.
à travers les péchés. Maintenant, nous devons avoir la vie à travers Jésus. Voilà Jean-Baptiste, quand il vit Jésus, pendant que les gens le voyaient comme un homme, comme un fils de Marie, les prophètes de Jean-Baptiste l'ont vu comme un agneau. Il a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Pourquoi ôter les péchés? C'est parce que là où il y a les péchés, il y a la colère de Dieu. Voilà l'apôtre Paul nous exhorte dans Colossiens chapitre 3, verset 5. Il nous demande de faire mourir les membres qui sont sur la terre. Il dit l'impudicité, la cupidité. Il dit le péché là, c'est toute une idolatrie. Donc toute personne qui vit les mensonges, l'impudicité est un idolâtre. Alors il nous demande de faire mourir ses membres. Donc nous tous, nous étions idolâtres. Mais c'est à travers la venue de Jésus, c'est à travers sa mort sur la croix que nous recevons la vie éternelle. Écoutez, non seulement la vie éternelle, parce que nous savons bien qu'il y a des rédemptions. La rédemption de l'âme et la rédemption de la chair. Donc quand Jésus a dit tout est accompli, il voyait d'abord les deux rédemptions, celle de l'âme et celle de la chair. Tu dois comprendre que ton âme a été déjà rachetée par Jésus. Elle ne peut plus être esclave de quiconque, non seulement ton âme, même ton corps là. Ton corps ne peut plus être esclave du péché. Jésus a dit, celui qui se livre au péché est esclave du péché. Donc tu dois comprendre que ton corps ne peut plus devenir dans l'esclavage. Dans la prophétie, nous savons que nous attendons encore la rédemption de la chair. Mais la rédemption de l'âme a été déjà faite. Mais quand nous rentrons sur la croix, nous confirmons que les deux rédemptions ont été déjà effectuées. Mais par rapport à la marche, celui qui croit au Seigneur, il commence toute une marche. La rédemption de la chair, la rédemption de l'âme d'abord, et la rédemption de la chair. C'est ça Israël. Quand il sort de l'Égypte, c'est comme toi et moi qui étions dans le monde. Nous quittons le monde pour aller vers Canaan, qui est le pays de la promesse, Jérusalem d'en haut. Mais avant d'arriver dans le pays de Canaan, Israël devait traverser deux fleuves. Premièrement, la mer Rouge. Secondement, le Jourdain. La mer Rouge. Israël qui traverse la mer Rouge, c'est ça la rédemption de l'âme. Voilà, quand Israël traversa, il chanta les cantiques de victoire. Toi et moi, nous étions dans le monde. Aujourd'hui, nous ne sommes plus dans le monde. Voilà, nous pouvons chanter Kumama Masia. Nous pouvons adorer Jésus. C'est là où les témoins de Jéhovah et les noms apostoliques ne comprennent pas pourquoi nous dansons. Parce qu'ils disent, c'est pas encore le temps de danser. Parce qu'on n'a pas encore vaincu. Mais nous, nous croyons que nous avons déjà vaincu. Parce que l'agneau était déjà mort en Égypte. L'agneau qui était mort en Égypte avait déjà tué les premiers nés des Égyptiens. C'est la mort de l'agneau qui a fait que Pharaon et toute son armée soit englouti dans la mer Rouge. Donc nous avons déjà traversé la mer Rouge. Nous ne sommes plus esclaves des
hommes, ni de Pharaon, ni de sorciers. Voilà, je descends pour te dire, dès ce matin, mets dans ta tête que tu n'es pas esclave d'un homme. L'apôtre Paul a dit, vous avez été racheté à un grand prix. Ne devenez pas esclave des hommes. Qu'il soit sorcier, qu'il soit magicien, je te dis comme un homme ouin. L'esclavage a été fini sur la croix. Moto sakana suna vina yote. Motona sakana suna libala na yote. Je répète encore. Moto sakana suna musala na yote. Motona sakana suna mbongo na yote. Mbongo ne kenda kana maladie. Et que dans la dépense, va toujours dans les dépenses. Cette fois-ci, échanger direction. Cette fois-ci, est bon. Et qu'on sera canalisé dans la dépense normale. Ça ne sera pas canalisé. Ma dépense anormale, Toboy, en bon nom de Jésus. Amen. N'est-ce pas le baboye? Ma colonne est bossée dans l'hôpital, maman Oyo. Amen. Théonie m'amène bien. Théonie, tu sembles là, non? Qui t'a pas tout semblé là? N'a introduit de ce qu'on a l'ingo comprendre que. Ndengo zawana, nyon sosye koki sama, eza na molimo, eza na nzoto. Ce qui nous reste à traverser, c'est le Jourdain. Voilà la Bible dit. Voilà la Bible dit. Quand Israël devait traverser le Jourdain, les enfants d'Israël sortirent de leur tente. Donc à la seconde, à la deuxième rédemption, nous sortirons de cette tente. Parce que l'apôtre Paul, l'apôtre Pierre ont expliqué la tente comme le corps. Par rapport à la prophétie, c'est la rédemption de la chair. Ce corps sera changé. Voilà, j'aimerais te dire que même en déconabissant, bakoufi ba vegle, bakoufi ba boite, namoko la résurrection, bakobima ba boite te, ba vegle te, parce que bakobima la batante, bakobima la banzotoyo. L'apôtre Paul dit, nous qui sommes vivants, nous serons changés. Nous serons changés. Écoutez bien aimé, comprenez ce matin que nous ne sommes plus esclaves de Pharaon, ni des commissaires égyptiens, ni des inspecteurs. Parce que Pharaon, pour mieux régner sur Israël, il avait nommé les inspecteurs, les commissaires. Pharaon, c'est une autorité. Pharaon est l'image du diable. Le diable nous a dominés à travers les autorités, les dominations, les principautés. Mais la Bible dit, Jésus-Christ a vaincu les autorités, les dominations, les principautés. Il les a cloués sur la croix. Il les a mis en spectacle. Ne konangai basi basambwa kala yonde o comprendre te. Bandoki basi basambwa kala. Va magicien, va si va samba kala. Yangona zolo ba lelo. Lelo changement kota na vie na yo. Amen. Namoli mo pena nzoto. Amen. Tolingito sambela. Est-ce que tu es réellement prêt? Yo bogisami. Est-ce que tu comprends que Jésus t'aime beaucoup? Ozali ko nimete yeso lingiomi. En réalité, ce n'est plus le temps de pleurer. Si les choses ne marchent pas dans nos vies, nous ne pouvons plus continuer à pleurer. Il est interdit de pleurer. La Bible dit, celui qui souffre, qu'il prie. Dans la prière, nous avons aussi les domaines du combat. L'agneau était mort en Égypte. Israël qui était faible devient fort. Quand il a commencé à marcher, les nations le voyaient comme une bille. Ah, je te dis, comme Jésus avait vaincu les autorités, les dominations, ce matin, reçois la force du bifle. Là où tu travailles, sois comme une bifle. Là où tu vas, sois la bifle au nom de Jésus. Que Dieu te bénisse. Voilà, il a dit, je vous donne le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions et sur toutes
toute puissante de l'ennemi. Rien ne pourra vous nuire. Parce qu'il avait déjà accompli sur la croix les châtiments qui étaient destinés pour toi et moi. Était tombé sur Jésus. En réalité, nous ne pouvons plus pleurer. Israël dans la marche, il manqua l'eau. Il pleura. Il cria à Moïse. Parce qu'un homme de Dieu doit être capable de répondre aux cris du peuple. Malheureusement, actuellement, beaucoup d'hommes de Dieu sont dans des débats, dans des conflits inutiles, pendant que le peuple est dans la maladie, dans les péchés, dans la misère, dans la stérilité. Je ne sais quoi dire. Ça, c'est la distraction. Moïse devait donner la solution. Écoutez bien aimé. Moïse avait tout reçu, le pouvoir symbolisé par les bâtons. Quand Dieu envoie son serviteur, il lui donne les bâtons, il lui donne le pouvoir. Parce qu'il savait en Égypte il y avait des serpents. Voilà, il a donné un serpent, un grand serpent à Moïse. C'est matin, Moïse est rotela mouinga. J'ai aussi reçu un grand serpent. Ce matin, il est venu avaler le serpent de la maladie. Oh, tu ne crois pas, tu ne crois pas. C'est la vérité. Je répète encore, j'ai un serpent. C'est l'évangile éternel. C'est le Saint-Esprit. Ce matin, il est venu avaler. Il est venu consommer ta maladie. Il est venu consommer ton chômage. Il est venu consommer ta stérilité. Il est venu consommer. Ah, est-ce que tu as la foi? Un homme de Dieu n'a pas peur des sorciers. Voilà, je t'ai dit ce matin, tous les sorciers qui t'ont fait souffrir seront dans l'embuscade. Ils seront dans la confusion. Parce que le feu va se dégager en toi. La lumière va s'imposer dans ta vie. Dieu est descendu pour te sauver. Il n'y avait pas l'eau. Les peuples pleurent. Moïse va consulter l'Éternel qui lui dit: mais je t'ai déjà donné les bâtons. Frappe les rochers. Pour que le peuple soit consolé. Parce que Israël dans la marche marchait avec, en réalité avec un rocher. Voilà, j'aimerais te dire avant que tu viennes dans le Seigneur. Dieu avait déjà prévu une solution pour tous tes problèmes. Avant même que tu croies à l'évangile éternel. Il y avait déjà un rocher. Israël était dans l'Égypte. En Égypte. Mais les rochers les attendaient déjà au désert. Pendant que tu étais encore dans le monde, Jésus-Christ t'attendait déjà comme la solution. Reçois la solution à tes problèmes. Toi qui es venu malade, reçois la guérison. Toi qui es stérile, reçois la fertilité. Il est écrit dans le pays de Cana, on ne peut pas trouver une femme stérile et une femme qui avorte. Reçois la fertilité, que ta grossesse soit protégée. Nyokan kawakolie angote. Soka lingé ame la grossesse na yo akomelande libanga. Na sepeli pour comprendre. Tolingi to sambe la sikoyo. Il y avait déjà les rochers. Zagi na libanga uta. Qui suivait Israël. Laisse-moi te dire, il y a déjà la solution à ton problème qui te suit. Il faut avoir la révélation. Il suffit avoir les yeux. Est-ce que nous avons salué Ngolu le lomo na ta miracle na yo? Est-ce que na tongwa le lo? Zamba koyo kelo mawate. Toi qui as beaucoup pleuré, tu es dans l'humiliation, tu es dans le blocage, tu es dans le péché. Que Jésus se souvienne de l'œuvre de la croix. Atala mabunga no te alio kelo mawa. Alimbisa yo. Ayo kelo mawa. Moïse va frapper les rochers. Les rochers a été frappé.
pour que le peuple ait la solution. L'apôtre Paul nous dit ces rochers là c'était Christ. Jésus-Christ a été frappé pour que tu y aies l'eau de la consolation. L'eau veut dire le mariage, l'eau veut dire le royaume des cieux, l'eau veut dire le sentier plein, l'eau veut dire la sécurité. Ce matin Banguna no no so bako ya lokola bibale Yesu a refoulé bango yayo miracle zo bandalelo tikana ye bisonde konangai. Jésus est venu ce matin pour te bénir comme tu es fils d'Abraham. Il est venu pour rendre ton nom grand. Alenzamba comme sa kombo na monene soko zondi mabetele maboko zamba comme sa kaka kombo na wana et comme amunene bayeba ki lokola muto apasi Yesu akufa kaka pona Rome de siete akufa pe pona senti plein ngana yo. Il a dit à Pierre, tu as tout abandonné, tu m'as suivi dans les siècles à venir, les senti plein dans les siècles présents, dans les siècles à venir, les Rome de siete dans les siècles présents, les senti plein dans la yo kokufa te avant comme on a dit avant que tu vois au combat sima tu verras avant que simba bana au sima nanu bana lokola simeyo akufa kinanu te asimba ki yesu yo peko simba bana bacha babare rupa yo za bolongi diplome na yo ko kende pamba te Eko zwa musala, ale yamba musala, pambolama, nzele fungwama, simba mbongo, simba sanctification, nzamba peso makasi, banguna na yo, bayaki zela moko, bazonga zela sambo, paske makila ya anyo, esie sopanaki, telemato sambela. Lève-toi, on va prier. Bapa sinanga, kolome maki yangonyoso, mikumba nanga. Kolome maki yango nyoso kuna kulusu wete na zuwa ndebo pemi na netolaka kombo na yo e longa e yo 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 e longa e Masia nzambe papa oh masia nzambe koloyo memaki mikumba nanga inyo beta maboko koloyo memaki papa sinanga inyo so koloyo memaki bobola nanga inyo so papa oh masia nzambe kolope singai kope mai Masia nzambe kolo pesinga ikopema akopema nanga Masia nzambe Beta mama kotoka toka 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 Zala concentré misoko kanga Oza très concentré bien ame Masia nzambe kopema nanga Masia nzambe kopema nanga Yo kabia na me nazoli ngo bondela banda ko kumisa mosala na kulusu banda ko tombola Yesu na maladi na yo banda ko tombola Yesu na komba na yo banda ko tombola Yesu na problème na yo na vie lisumu ekangiyo tombola Jésus to bondeli beta maboko tombola Jésus zala concentré peut tout ça Bien-aimé bondela malobe yokana Tombola mosala na kulusu mosala peso bopemi mosala peso kimia mosala peso kimia élève l'œuvre de la croix élève l'œuvre de la croix élève l'œuvre de la croix tombola 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 Tombola, 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 tombola. Tombola, 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 miso kokanga. Tombola kombo Yesu. Pemo sala na kulusu. Nicolas problème na yo. Nicolas maladie na yo. Nicolas ba souci na yo. Tombola, 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 tombola. Nazo tombola kombo na yo Jésus. Kombo pesa kimia.
Yana combo moko e kokai na combo no tse. Na likolo, na mabele, na se ya mabele. Combo on est atte papa. Oza makasi. Oza longa. Tombola le nom de Jésus na maladie na yo. Na likambo na yo na tongwa lelo. Élève le nom de Jésus. Élève le nom de Jésus. Bien-aimé misoko kanga. Misoko kanga. Tombola combo à Yesu. Il est là notre Dieu. Likola maladie na yo. Likola mitungisi na yo. Likola ba problème na yo. Élève seulement le nom de Jésus. Tombola combo à Yesu. Tombola combo à Yesu. Élève le nom de Jésus. 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 Élève, élève, élève. Mata, 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 bien-aimé. Yoka, bien-aimé, yoka, yoka. L'Écriture nous dit, avant que Jésus azoie vinaigre, il avait d'abord tout consommé. Il avait d'abord tout consommé. Si manango ameli vinaigre, symbole ya châtiment, oye sengele kingano tozoa. Ndalobi, tout est accompli. Maintenant, on ensemble avec foi par rapport à cette écriture. Le papa, aussi au consommé ma maladie, au consommé ma passe, au consommé ma difficulté, l'issou mounanga. Na tombo alelo, tanga peli kambozo tungisayo, le papa, mela yango. C'est comme Israël tangwa soumouki. Ba serpent brille ye, naba epike bango, naba vene epike bango, baba nyo koufa liwe ye. Zamba lobi na monse tombo la, le serpent de rein. Serpent de rein, sala ki moussala nini. Ya komela, ba vene ya ba serpent nyonso. Alors loba nan zambe, amela vene ya stérilité, vene ya chômage, vene ya lissoumou, empiricité. Ale bete maboko, ale toke. Pas de distraction bonde la. Malobe yo kana, loba zambe. Mais là venez échec nanga. Mais là venez échec nanga papa. Beta maboko bondela. Loba na zamba mela sikoyo. Amela bolola motema na yo. Amela ba souci a motema na yo. Amela likamboyo. Likambo etungisi yo pendant des années. Loba na zamba mela yango sikoyo. Loba na papa mela yango sikoyo. Loba na Jésus mela yango sikoyo. Beta maboko, atoye na pasi na motu. Loba na zamba me la pasi wana. Loba na zamba me la pasi na libumu. Loba na zamba me la pasi na makolo. Loba na zamba me la pasi wana. Amela blocage, amela, amela, amela. Ah ah, matanko, matanko. Loba na zamba me la seliba wana. Toke, toke, toke. Loba na zamba me la seliba wana. Allez, toke, toke, toke. Nyoso sala ke simba kate. Vina yo simba kate. Nyon solona ke simba kate. Loba papa, mele chèque. Mela yango lelo, na tombo lelo. Mela ba deception nangai. Mela mitungisi nangai. Mela pasi nangai. Toke, toke, beta maboko. Beta maboko. Loba zambe yonde serpa ya solo. Banda komela. Oloba ki ete comme Moïse eleva le serpent de rein. Dans le désert. Il en sera de même avec le Fils de l'homme qui sera élevé sur la croix. Omela ki ngenge ya masumu. Banda komela ngenge ya lisumu. Ekobo. Mela lolendo. Mela lolendo. Mela lolendo. Au nom de Jésus. Yesu Masia. Zamba somo. Zamba miracle. Zamba makasi. Allez, Mela, tu avais dit tout est accompli. Tu avais tout consommé. Banda komela, maladie à maman Oyo. Banda komela, sida yandekoyo. Banda komela, cancer. Banda komela, ah, toke, toke. Loba zamba mela soni na yo. Zamba mela soni wana. Soni ko zanga kobota. Yeswa melango. Yeswa melango. Insistez, insistez. Loba papa, mela. Mela, mela, mela maladie nanga. Si tu pries avec foi, il y aura le miracle automatique. Il est là notre Dieu. Yokandeko. 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 Yokanandeko. Ah, tozo kende menako cible banzungu nyonso sala ka incantation. Banzungu nyonso sala ba source ba problème na biso. Banzungu elingate mabala na biso za na kimia. Banzungu kotisa ba maladie.
Et quand tu as des chèques, dans un village, dans un rond-point, dans un quartier, Banzungu nyonso. Allez, bien aimé, utilise le nom de Jésus comme un marteau. Banzungu e boakelo maladie. Allez, banza ko panza yango. Banda, ah, toke, allez, panza. Nyata yango, toke. Mata, 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 ah, toke. Toke ibeta mabako. Banda ko nyata. Banda ko nyata. Banda ko nyata. Banzungu wa bandoki. Oye, simba santena yo. Oye, baby salibala na yo. Ale nyata yango nyata 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 ah, toke mata toke mata toke mata nyata. Jésus a lobi, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur le serpent, le scorpion et sur toute puissance de l'ennemi. Bondela kangamisu kangamisu ozo nyata ozo bonza bandako bonza bien aimé bandako panza banzungwa bandoki. Banzungu e baby sa libala na yo. Oye zo bomela libala. Ezo bemela santé. Ale nyata yango toke. Ah, na boy distraction. Na boy distraction. Nzungu e contribuer l'échec na yo. O sala mbongo. Mbongo e sa bloqué. Na kombo na Yesu. Bondela 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 bondela. Toke 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 toke. Beta li sou maboko. Mata encore, mata encore, mata encore, détruire encore, na combo Yesu, le col à marteau, baby ça, toke, 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 allez, nyata, nyata, yoka siko, yoka, yoka siko, a côté l'un de quoi pembe na yote. Miso ko kanga biso nyonso ya ko telema maboko likolo zala très concentré yana batu nzamba ko fungula ba don spirituel na bango ozaka na don prophétie mais ana nous très poussé té nzamba ko fungula ngo sikoyo oyana tongwa lelo zo croire que évangile éternel est un véritable serpent o tango eza koye zo mela lisumu na yo ezo mela mabe na yo batu babwa kisio balobi ozana ba comportement mabe mais na tongwa lelo yeso alokoti yo abanyo mela buzoba na yo masumu na yo ameli maladi na yo ameli stérilité na yo. Si tu as la foi, tu peux d'abord acclamer pour la gloire de Jésus. Nazo kanguya na kati auditoire makasi tombola maboko yo ka bien aimé ozo kende kolo baboye. Jésus, nana besoin royaume na yo. Nana besoin reine na yo. Nana besoin Saint-Esprit et ton disama. L'apôtre Paul a dit, bon, là, on a bien ma sangate. Kasibo zalande rempli du Saint-Esprit. Bien aimé, ma boko likolo miso au kanga. Kota la moutoupe menote parce qu'il y a batu bakolo balang. Il y a la batu bako sakola. Il y a la batu bako zala bouger. Ba maladie e kobi mwa nzoto abato. Ba di loko nyoso ba nyoka. Oh, ba lona na nzoto abato. Na ba makolo abato e zobi. Ah, to zala mouma moko ya somo. Ah, to zala mouma somo. Ale, loba papa kita. Loba tondisa. Tondisa biso. Tondisa ngai. Na sentiri yo. Na yoka yo. Na mona yo. Bondela, bondela, bondela. Maboko likolo miso ukanga. Que ton règne vienne. Mata encore, mata. Zala très concentré. Okoyoka mato eko fungwama. Okoyoka miso eko fungwama. Batu ebele bako zala même baptisé du Saint-Esprit. Ba onanu bazo Saint-Esprit te. Makambo somo ezo salaman auditoire. Merci Jésus. Parce que abandide ako simba bato. Musoko oka posa kolela. Saint-Esprit yaka na ba caprice na ye. Musoko oka moto na motema. Okoyoka moto na motu. Oka moto na bakolo. Alléluia, il est descendu. Le reine de Dieu. Le reine de la guérison. Le reine des miracles. Il est là. Il est là, il est là, Saint-Esprit. Oya kande kolongole la ma soni. Oya kande kolongole la ma seliba. Oya kande kolongole la ma lissoumou. Jésus, tu nous avais dit, quand le Saint-Esprit viendra, il convaincra le monde à ce qui concerne le péché. Bate la kimia maboko likolo. Tike le sko terrain. Tike le Saint-Esprit nous a tonna sa moussala. Kolo basoute.
Kangami sunayo. Maboko ezali kolo. Totikeli Saint-Esprit nzoto no esana musala. Saint-Esprit. Saint-Esprit. L'Esprit de Dieu, tu es réel. Na tongo lelo. Ne kote ya bato ete. Tu avais accompli Jésus. Quand tu as accompli Zokando la kaki ete Saint-Esprit akoya. Loko la Saint-Esprit aye. Oloba ki ete za esprit ya servitude te. Les esprits à liberté. Motonon soit esclave na boutou. Motonon soit basaka na kanavi na yo. Basaka na kanalibu mu na yo. Nanzoto non na makolo na mutu na yo. Saint-Esprit azo longolo mena na servitude. Zala très concentré. Babali son na boutou. Babebi sa vi na yo. Lelo, 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 liberté. Lelo, liberté. Nzambe, merci parce qu'on bandio simba. Zala très concentré parce qu'on bandio simba. Zala très concentré parce qu'on bandio simba. Yewa na zo simba. Tala. Rotela nano angana na simbiote. Ya yeme yo simba yo. Na lo boku anguya. Oya teli saki na jipito. Pharaon zala ki confi. Armena ye zala ki confise. Reçois la puissance de Dieu. E bandi li boso. Allez, ezo kita. E bandi li boso ezo kita. Ezo ya loko la mo pepe. O kokate. Yo, yo, yo demo o kokate. Yo, yo kokate. L'Esprit de Dieu. Tandenga olongo la basusi na mitema bato. Tandenga zo kata basinga. Ouais, na yeba kaki ako sala. Yewana zo simba. Azo sala même opération sans cicatrice. Yewana zo longo le lamba soni ya seliba. Elamba stérilité. Elamba ba confusion. Elamba ya pauvreté. Tandenga simbi mwana mwasio. Nzoka ndoza mwana Abraham. Mwana Abraham nyoso ako simba ma. Saint-Esprit est à secours en Zambé. Ah, il est écrit le secours de Dieu est à point de m'ajouter. Que c'est à point de la postérité, Abraham. Montonneau soit à la foi. Que l'évangile éternel est à la gouya kokangola. Si koyo kaka simba ma. Ba malade est obima. Ba malade. Ah, zala concentré contre la moutoute. Mosala kitoko moto si epelaki moto si epelaki moto si epelaki basinga ya ah nzoka nde bakoti so ba mbu na village osobima babali sayo osobima ba don spirituel ezofungwama prophétie ezofungwama pa ba frère ba langue ezofungwama ale moto epelakati na yo moto epelakati na yo moto epela moto saint esprit tala. Nabi Zala concentré, c'est ton jour. Azo soukola motema. Merci Seigneur. Azo soukola motema. Azo soukola vina yo. Reçois la puissance de Dieu. Il est là, il est là, il est là, il est là, il est là. Il est là, il est là, il est là. Ma chaîne est zokoya. Ma chaîne, il y a maladie. Ma chaîne, il y a démon. Ma chaîne. Allez, tous les démons sortez. Sortez au nom de Jésus. Aïe, 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 aïe. Nguya ya moto esi epeli. Lokola na mokola Pentecôte. Bato bele ba simba mi ba maladi ya kindoke zobima. Ba maladi ya buto zobima. Ba cancer ya kindoke zobima. Zala très concentré. Yangona, yangona epeli kati na yo. Moto epeli kati na yo. Tala, tala. Bazo kokate bazobima. Bazo kokate bazobima. Bima ma sœur, toke. Je le dis comme un homme de Dieu. Sors. Place ba balona esprit na yo. Na katia ba mai. Na katia ba mai, tale zobima, tale zobima, tale zobima, na katia vie masumu, ezobima. Ba don spirituel ezo fungwama. Saint-Esprit simba, toke, fungola, fungola, Jésus nazo fungola, oloba kete nyonso nako fungola na se, na lola peko fungwama, nazo fungola santé, nazo fungola libala, nazo fungola kobota, nazo fungola ba don spirituel, nazo fungola papa, talanguya, 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 talabatu bazobika, talamakamozo salema na université 83. Jésus merci, nazo fungola misu, nazo fungola matoi. Nazo fungola miso abavegle, nazo fungola matoi, nazo fungola, zala branché, nazo fungola mbongo na yo. Seigneur, simba sikoyo, bimisa, batuna ba servitude, bimisa batuna katsa kolela, bimisa cette sœur, kangola et Seigneur, banda kosala papa, batu bazo bimana ba cimetière, yozan esprit de mort, na telemeli esprit de mort, bimono de Jésus, sors, sors, esprit de mort libère, esprit de
Kokangazala très concentré. Moussa les Salima. Motonio Sobaligaba Bomo en 2024. Bazouaki Olokola sacrifice. Allez, Bima. Allez. Ah, Pela Moto Mansabe. Toke, toke, toke. Allez, Pela, 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 Pela. Ah, Bima. Bima Nama Serkei. Naye Baki Kakenzamba au Salaboye. Frère Zala concentré. Frère Zala concentré. Ozo Bima Nama Serkei. Zala très concentré. Kota la Moutou Pembe Note. Nalabi Bima, toke. Ok, na fungoli ba serkei, na marteau qui est le nom de Jésus. Allez, Bima, 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 toke, 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 toke. Yo, maliga ba bo mayo. Voilà. Ma tche distraction katinopo, nguye chape yo. Voilà. Sors, sors, sors au nom de Jésus. Ba singa liwe zo kwe ya. Tombe la boko bien. J'ordonne comme un homme de Dieu. Na ba maladie akindoki. Zala très concentré. Ata mutu ezo soa. Ata libumu ezo soa. Siko eza ngonga na yo. Yoka siko. Tala tala loboko moko ezo ya. La main puissante de Jésus yango wana. Tala ebandi koya. Ebandi liboso ya. Tala. Zala concentré. Yamba yango. Loboko anzambe. Zoya yango wana yamba toke. Yamba. Yango wana ebandi yo simba bato. Ezo sa la même opération. Ezo kata balien. Ezo kata balien. Balia ya liwa ezokata loboko nzambe yango wana loboko nzambe yango wana loboko nzambe yango wana ezolongola liwa ezolongola lisumu ezolongola kobo ezolongola muyibi ezolongola maladie kindoki ale yamba yamba loboko fungola motema tala 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 loboko ezo simba loboko ezo simba au nom de Jésus. Merci Seigneur, il est là notre Dieu, le Dieu des surnaturels. Allez basinge koya, toi démon sort dans ce corps. Libère sa vie au nom de Jésus. Libère cet auditoire au nom de Jésus. Libère. Sors. Marie de nuit. Femme de nuit. Esprit de mort. Je t'ordonne. Libère. Libère. Vie à pas si ma paix saillot. Ozoti ka onkanengo tombo libaboko. Merci Seigneur. Nous passons maintenant à l'imposition des mains rapidement. Tolobi boy, motonyo soya ki malade. Tu vas passer devant nao simba okaka ozongi. Quelques secondes kaka. Batwa mikumba boyaye. Totika la kotelema. Batwa maladi boyaye. Boyaye. Zamba bengi. Yo tika likuna ozo continue ko sambela ete nzamba biki sabandeko. Quel que soit le nom de la maladie. Nous avons besoin de bateau, il y a une douleur sikoyo. Nous avons senti ma douleur dans le colo. Nous avons senti douleur dans l'ibumu. Le kaliboso. Maladie oumela. Passe oumela. Kole la maladie oumela. Le médecin par excellence te touche. Boyaye. 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 Samba bengi biso. Que la maladie disparaisse dans ce corps miraculeusement. C'est ma maladie, Bima. J'ai imposé ma main avec foi au nom de Jésus. Sois délivré de la maladie, quel que soit le nom de la maladie. Il est écrit, c'est par ces mains structures que nous sommes guéris. Malade à Kindoki, Bima, 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 Bima. Allez, toqué. Libérez cette fille. Ma douleur est disparaître au nom de Jésus. Maladie à Koboa Kela. Maladie à Boutou, Bima na Kombo na Yesu. Je prie avec foi. Quand on a Sibio, on souhaite si ma maladie disparaître. Je prie avec foi, le Boko Nzambe, le Boko Ngouye Simbayo, le Boko Makase Simbayo. Maladie, elles ont disparaître miraculeusement. Quel que soit le nom de la maladie, quel que soit le nom de la maladie, quel que soit le nom de la maladie, je prie avec foi, maladie Bima, quel que soit ma douleur, Bima au nom de Jésus, sois délivré de la maladie. Quel que soit l'origine, maladie spirituelle, maladie abondante, imposez le bon avec foi. Ma hernie, ma pandicite, et ça colle moi. Maladie à Kindoki, et ça colle moi. Na combo na Yesu. Maladie Bima, ma pali, Bima au nom de Jésus. Je pose ma main avec foi. Que quelque chose se passe dans ce corps. Je prie avec foi. Maladie Bima, quand on a Simbio, maladie va disparaître. Ma maladie à Kindoki. Quel que soit le nom de la maladie, quel que soit le nom de la maladie, que cet enfant soit redressé. Je prie comme un homme de Dieu,
Allez, Makirano a changé. Organisme a changé. Yambagouya. Esprit à sorcellerie, je te chasse. Esprit ennemi, je te chasse au nom de Jésus. Sois délivré par la puissance du Saint-Esprit. Que le chat de la maladie tombe. Au nom de Jésus. Dis-moi, esprit de mort. Sors maladie. Sors de ce corps. Libère ce corps. Sois guéri. Yamba. Toke. Toke. Yamba. 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 Guérison automatique. Douleur des obima. Au nom de Jésus. Sois guéri par la puissance de Dieu. Je prie avec foi. Que la maladie disparaisse. Automatiquement au nom de Jésus. Sois soufflé par l'onction. Je prie avec foi. Dozo beta maboko wana dozo emelanzambe. Mosale zo salema. Que la guérison et les miracles te soient donnés. Allez, démon bima. Esprit de mort bima. Ok? Ok? Ma résiste à combat sous tes bima. Ok? Sois guéri. Quel que soit le nom de la maladie, sois guéri. Sois guéri au nom de Jésus. Maladie nyonso, y'a ma rein, y'a ma estomac, ma diabète, ma gastrique, nyonso, na benganiyo. Ma maladie a kobwa ke la. Au nom de Jésus, ma tension. Le bois na chasse yo. Sois touché au nom de Jésus. Esprit de mon libère. Ma flèche qui doke zobima. Mon congo passe ses aussi là. Mon congo passe ses aussi là. Ma douleur est zoli moi. Par la main de Jésus. La main puissante de Jésus te touche. Sois guéri automatiquement. Je chasse la maladie. Au nom de Jésus. Sois guéri. Passia com papá.
Tombola boko. Nalobi boye, lokola mosana nzambe miracle nazo bandaka na premier jour. Na répète encore. Oye kauka ki na vino ezonga mobeso no de. Te, oyambi ango bien te na répète encore. Libala bayiba ki na zongi sali no de. Esengo bayiba ki ezongo no de. Visa bayiba ki ezongo no de. Sanctification ba ibake zongo no de. Jésus a lobi tout est accord. Akokisa libala non ekulusu amen. Akokisa victoire non ekulusu amen. Oya ndimete alonga ki ne kulusu. Yesu akokisa ki abeta maboko. Abeta maboko. Abeta maboko. Yoka, le leza introduction. Amen. Si tu peux sur squelette et alité en abisso, yaka lobby, tu peux continuer moussala. Moukolo na moukolo, et ça na couleur nango, tu sembles la pona ba commerçant, ba tu basala misala, ba tu bana problème robota, ba tu bana problème ba blocage, binonyon so bozana programme yanza, yanzambe. Asi akokisa nyon, nyon so. Okoza souma umba moto, te. Après action matinale au samedi, moto koza sou redevable pa bando ki azali sou soute na kombo na Yesu. To beti maboko pe milolo makasi. Te wana omi beteli yo moko. Betela sikoyo Jésus de Nazareth. Betele maboko pe milolo. Betele maboko pe milolo. Maboko pe milolo. Tele mabana ko sauter. Para toi, Jésus.
Yoka. Photo 4. Awa, toujours à toi d'onction et à monter. Awa, au tiers, dîme, offrande, action de grâce. Nayo. To, bande de kouana ba kamabiso, ba portion ba zawab. Kako koma, boka mande biso. Ba banin arrangea ba papa, ba kamabiso, pour ça moi lombango. En même temps, tous profiter pendant que pèse ma programme, to bandi lelo, to goke na ngaga boyi, tous au kaka boyi na même rythme, ti samedi. Si quoi yon soko raté à lelo, lobi oko raté te, soko raté à lobi, jour na ti samedi, il faut makamono esila. Donc, aux angates, benga ba.